Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais pouvoir te décortiquer trois disciplines de l'audiovisuel qui sont différentes l'une des autres, mais tu vas voir qu'il y a des petits points communs. Et aujourd'hui, je vais pouvoir te décortiquer ces trois-là. On va voir c'est quoi les points forts et les points négatifs de chacun, et voir un petit peu si on peut réussir à mixer les trois. Je vais mettre de côté directement le court-métrage ou les films, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est encore différent, puisque pour moi, le court-métrage, tu vas pas spécialement gagner de l'argent. Donc, on va avoir le tournage de clips. On va avoir le tournage de mariage et tournage de vidéos institutionnelles, donc pub, bon, c'est à peu près pareil. Et donc, je vais te les décortiquer directement. Alors, on va commencer directement avec la partie clip. Alors, tu vas voir, il y a plusieurs choses. On va parler du tournage, de la rapidité de tournage ou pas, le salaire et donc après aussi le montage, donc un petit peu tout. C'est vraiment pour pouvoir te montrer un petit peu les points forts et les points faibles. Et en tout cas, on va pouvoir voir ça directement. Alors niveau tournage, pour moi, le clip, c'est ce qui reste le mieux, je trouve, puisque tu vas pouvoir être un petit peu plus créatif. Tu vas pouvoir tourner des fois un petit peu en mode freestyle et si tu as des idées en tête, puisque en plus, tu vas pouvoir ramener tes lieux. Si c'est les artistes qui ont directement leur lieu et qu'ils ont déjà leurs idées en tête, c'est pas un problème aussi puisque tu vas pouvoir t'adapter. Et donc, ce qui est intéressant avec le clip, c'est que c'est jamais vraiment la même chose, même si des fois on a l'impression qu'il y a des tournages qui se ressemblent. Et c'est ce qui est bien par rapport aux deux autres disciplines, donc le mariage et la pub. Et tu vas voir que ça, c'est quelque chose que tu ne pourras pas avoir au niveau du tournage par rapport aux autres. Donc en gros, ce qui va être bien pour le tournage quand tu vas faire un clip, c'est que tu vas pouvoir faire un petit peu comme tu veux si l'artiste te fait confiance. Et même si l'artiste a vraiment ses idées, tu vas pouvoir quand même avoir des choses, tu vas pouvoir être un petit peu plus créatif. Donc c'est ça qui est intéressant. Au niveau de la rapidité de tournage, alors moi je trouve que pour moi, c'est ce qui reste le mieux puisque un clip, tu peux tourner autant en une journée que tu peux tourner en une après-midi ou même en 3-4 heures, tu peux faire un tournage. D'ailleurs, si tu veux voir comment faire un clip en 4 heures, je t'ai laissé une vidéo directement en dessous dans la description, donc tu pourras regarder ça. En gros, donc ce qui peut être intéressant dans le clip, c'est ça, c'est justement le fait de pouvoir tourner rapidement. Donc tu peux faire des clips en 3-4 heures si tu as un lieu où il y a plusieurs lieux les uns autour des autres. Ou alors tu peux faire une après-midi ou une journée entière par rapport à un mariage où là tu vas être bloqué par exemple du matin jusqu'au soir, donc ça tu pourras pas faire autrement, à moins que tu tournes avec deux cadreurs et que vous fassiez un relais, mais en tout cas tu vas être quand même bloqué. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose qui est intéressant, le clip pour ça, puisque c'est quelque chose que tu peux tourner rapidement par rapport aux autres. Et donc du coup pour moi c'est là où tu peux un petit peu plus moduler la chose dans ta journée de tournage, puisque c'est jamais vraiment pareil, c'est jamais vraiment les mêmes heures. Au niveau du salaire, tu vas avoir des avantages et des inconvénients. Alors je vais commencer par les inconvénients, tu vas avoir de temps en temps des impayés, donc voilà ça arrive, les artistes font des impayés, contrairement au mariage ou même aux vidéos que tu vas faire de publicité, mais encore que ça dépend sur qui tu vas tomber. Par exemple quand tu fais des vidéos publicité, ben, tu peux avoir aussi des impayés, c'est pas parce que c'est une boîte qui t'a pris en tant que vidéaste que ça veut dire forcément que des fois elle va te payer, des fois elle peut avoir des retards de paiement ou même des impayés. Alors ça arrive rarement, mais en tout cas ça peut arriver de temps en temps. Niveau clip, justement, comme je disais avec les impayés, ça arrive. Moi, j'en ai encore quelques-uns des fois de temps en temps. Tu peux en avoir un ou deux dans l'année. Si c'est un ou deux dans l'année, ça va. Dans la quantité de clips que tu vas faire, c'est pas trop un problème. Par contre, si tu commences à en avoir un peu trop, c'est que là, il y a un souci. Il va falloir changer de client. Donc ça, c'est clair et net. Donc ça, ça va être un petit peu la partie un peu chiante, on va dire, que tu vas avoir avec des artistes ou des fois des labels. Après, une autre chose aussi qui est un petit peu plus chiante aussi des fois, c'est que tu vas avoir un petit peu des retards de paiement. Donc, c'est pas que les gens ne payent pas, mais c'est juste qu'il va avoir des retards de paiement et ça, c'est un petit peu chiant de temps en temps. Après, dans les points positifs, donc du coup, dans les points positifs, ce qui va être bien, c'est que c'est vrai que quand tu commences à faire un clip, normalement, tu as une avance dès le départ, donc c'est une avance qui va être rapide. Et ce qui est bien, c'est que les clips, en général, quand quelqu'un t'appelle pour faire un clip, en général, si vraiment il est sérieux, il veut tourner rapidement. Donc déjà, ça, qui dit tourner rapidement, dit que ça veut dire que forcément, tu vas avoir un salaire plus rapide. Donc c'est ça qu'il faut voir. Des fois, il vaut mieux avoir un salaire plus petit que, par exemple, une vidéo de mariage ou autre. Mais par contre, la rapidité de paiement se fait beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment plus important. Donc comme j'expliquais dans une vidéo, des fois, il vaut mieux avoir plusieurs vidéos à 500 € ou clips, mais qui rentrent plus rapidement et qui te fait peut-être un salaire de 2 000 à 3 000 €, plutôt qu'avoir un budget à 3 000 € ou 2 000 € et que tu es payé dans les 3 mois. Donc en gros, ça fait pas vraiment 2 000 € par mois, ça fait divisé par 3, donc c'est pas exactement la même chose. Pour ça, c'est vraiment très intéressant, moi je trouve, c'est que voilà, le paiement soit il se fait direct dans la totalité si c'est un petit budget, donc pour un clip, ou bien si c'est un budget un petit peu plus gros, eh ben, tu vas avoir une première avance
Et donc, si tu montes ton clip rapidement, bah, du coup, tu auras l'autre partie du paiement. Et en général, ça peut rentrer dans 20 jours, c'est-à-dire entre le début du paiement. Une fois que tu as tourné ton clip, tu l'as monté rapidement. Donc, très souvent, les paiements, ils rentrent avant un mois. Après, ça peut être un tout petit peu plus décalé, comme je te disais, parce qu'il y a aussi des points négatifs sur ça. Mais voilà, ça ne dépassera pas les 45 jours en général au grand max. Donc ça, ça peut être intéressant, surtout si tu fais de la quantité. Au niveau du montage, pour moi, par rapport aux trois disciplines, pour moi, c'est la meilleure, celle-là, parce que pour le coup, quand tu vas monter un clip, moi, je monte une V1 en 2 heures. Donc concrètement, tu ne peux pas monter aussi vite que ça, à moins que tu fasses une vidéo publicité qui dure 1 minute. Donc là, tu vas monter très, très rapidement, mais voire peut-être même comme un clip. Mais en tout cas, moi je trouve qu'un clip c'est vraiment intéressant pour ça parce que aujourd'hui avec le nombre de clips que j'ai montés, bah, la plupart du temps je monte en 1h30, 2h une première V1. Donc ça c'est intéressant. Après tu vas avoir dans ta V1, tu vas avoir donc les premières modifs. Voilà, mais en général si tu as bien monté, si vraiment la personne elle sait ce que tu vas faire à peu près comme rendu, logiquement tu n'as pas trop de modifs. Tu en auras toujours un peu évidemment, mais tu n'en auras pas trop. Donc voilà, ça vraiment pour le montage, c'est vraiment intéressant pour moi, je trouve, puisque tu peux monter un clip en 2 heures. Alors évidemment, au début, quand tu débutes, tu vas peut-être pas réussir à monter en 2 heures. Il y a souvent des vidéastes qui me disent comment tu fais pour monter en 2 heures. Apparemment, il y en a plein qui n'arrivent pas trop à monter rapidement. Pourtant, ça se fait quand même régulièrement. Si tu es un monteur confirmé, logiquement, qui a l'habitude de monter des clips, en 2 heures, tu as fait une V1. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment une histoire d'entraînement après, mais tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu pourras monter tes montages en 2 heures. Donc voilà, pour la partie clip, moi pour moi, je trouve que c'est là où il y a le meilleur équilibre entre la rapidité de paiement, la rapidité du montage et la rapidité de tournage. Donc pour moi, c'est pour ça que je préfère cette partie-là. Ensuite, on va avoir donc les mariages. Alors les mariages, pour moi, c'est quelque chose de bien. J'aime bien parce que déjà, ça casse un petit peu le rythme des clips. Et j'en ai fait quelques-uns. D'ailleurs, cette année-là, j'en ai fait vraiment pas mal. Et donc en fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est vraiment de casser ce rythme-là du clip. Et en fait, le mariage, ça te permet de faire un tournage où tu n'as pas trop de responsabilités en vrai. Donc en vrai, ce qui se passe, c'est que tu filmes la mariée du début jusqu'à la fin, donc de son mariage, le soir. Et donc c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de responsabilités puisque en fait, en gros, bah voilà, tu filmes, tu es un peu un cadreur. Donc ça, c'est pas mal pour ça. Ça te permet un petit peu de te reposer et de ne pas être tout le temps sous pression et qu'on te demande qu'est-ce qu'on va tourner. Donc du coup, ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Au niveau du tournage, bah là, au niveau du tournage, c'est vraiment quelque chose de très basique, hein. Ça va être très dur de pouvoir faire quelque chose de créatif. Franchement, tu vas filmer, tu vas être vraiment un cadreur, un peu comme si tu filmais une captation dans un concert ou autre, tu filmes ce qui se passe et voilà. Donc vraiment, pour la partie de tournage, il n'y a rien d'extraordinaire, ça va être vraiment quelque chose de très basique. Donc si toi, ça ne te dérange pas de temps en temps de tourner des choses un petit peu plus basiques, bah, le mariage, c'est vraiment bien. Moi, comme je t'ai dit encore une fois, j'aime bien par rapport à ça. Pour la rapidité de tournage, alors là, c'est un petit peu un problème par rapport au clip, c'est que là, pour le coup, tu ne vas pas pouvoir faire comme tu veux, puisque en général, un mariage, ça commence à 10h du matin, et ça finit à peu près vers 1h du matin, on va dire minuit, 1h. Ça va dépendre quel type de mariage tu vas faire, mais en gros, voilà. Donc ça, pour le problème qu'il y a dans un mariage, c'est vraiment ça, c'est que ça va être long au niveau de ta journée de tournage. Par contre, si tu sais vraiment bien filmer un mariage et que tu sais prendre tout ce qu'il faut prendre, par exemple en plan large, eh ben, tu vas voir que pour le coup, ça va être plus facile après avec tes clients parce qu'ils ne vont pas trop te faire chier en général. Il n'y aura pas vraiment beaucoup de modifs puisque si tu as tout filmé, eh ben, on ne peut rien te demander de plus. Mais en tout cas, voilà, ça va être des longues journées, donc c'est vraiment ça le souci. On va dire que ta journée de tournage que tu auras filmé, c'est vraiment ton premier pré-montage puisque en général, ce que tu vas livrer en montage, ça va être quelque chose de très basique. Donc ça va être un film long voilà, qui va durer peut-être 1 heure et en gros, il y aura tout dedans. Donc c'est vraiment des plans séquences et quelque chose de basique. Au niveau du salaire, alors c'est quelque chose d'intéressant, mais attention, encore une fois, c'est pas comme le clip, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que même si tu as beaucoup de quantité de tournage de mariage, alors attention, je te parle vraiment de vidéos de mariage si c'est toi qui fais toute la vidéo de A à Z, donc si vraiment le client est venu à toi, hein, je te parle pas vraiment de, par exemple, une wedding planner qui t'appelle pour pouvoir cadrer d'autres mariages, ou après c'est un monteur qui le fait, ça c'est autre chose. En tout cas, moi je te parle vraiment de quelqu'un qui va t'appeler pour faire son mariage. Donc, niveau salaire, moi, je trouve qu'il y a un petit inconvénient, c'est que, en fait, à partir du moment où son mariage a été prévu, donc voilà, une fois qu'il y a la date de son mariage, bah, là, le premier paiement va pouvoir se faire rapidement. Donc, moi, ce qui m'arrive, c'est que, par exemple, j'utilise une plateforme comme mariage.net. Et en gros, ce qui va arriver, c'est que au début, je parle avec la personne, j'échange, donc elle est intéressée. Et ensuite, donc, on va valider le mariage, on va se voir ou bien faire un visio. Je vais lui créer un contrat, donc un contrat à distance avec une signature électronique, donc on n'a même pas besoin de se voir, tout à distance. Et donc la première avance va arriver rapidement, mais par contre, le problème qu'il y a, c'est que pour moi, le deuxième paiement, il arrive longtemps après.
Par exemple, moi j'ai validé déjà des mariages là pour l'année prochaine. Donc j'ai eu la première avance, mais le prochain mariage que j'aurai, bah, ça sera que l'année prochaine. Donc en gros, par exemple, tu vas faire un mariage à 1000 euros, donc la vidéo, donc tournage et montage. Eh ben, le truc, c'est que tu vas peut-être avoir 500 euros rapidement, mais le deuxième 500 euros, il va être soit quelques jours avant le tournage du mariage ou bien le jour du mariage. Si tu as validé 6 mois d'avance, bah, le problème, c'est que tes 1000 euros, ils sont découpés en 6 mois, donc c'est plus la même chose. Donc pour moi, il est là un petit peu le problème, c'est que le salaire n'arrive pas aussi rapidement, sauf si tu as un grand nombre de mariages et que en fait, tu arrives à faire ton salaire à chaque fois avec les avances. Donc la première année, tu vas faire ton salaire avec les premières avances et ensuite la deuxième année, bah, tu vas faire ton salaire avec le reste des paiements et ensuite plus les nouveaux. Mais par contre, pour ça, forcément, il va te falloir beaucoup plus de quantité. Donc du coup, c'est un truc, c'est un équilibre un petit peu à avoir. Mais par contre, c'est assez intéressant pour un salaire sur des paiements plus passifs. Donc c'est-à-dire qu'en fait, bah, voilà, tu sais que tu as des paiements qui vont arriver l'année prochaine, mais tu ne pourras pas faire vraiment un actif si tu veux vivre aujourd'hui avec 2000 euros par mois net. Que vraiment voilà tu veux vivre de la vidéo, bah, il va falloir faire beaucoup plus de quantité pour les avoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Je sais qu'il y en a beaucoup qui calculent, bah, quand ils ont un salaire qui arrive, par exemple, il y a 1000 euros qui arrivent, ils se disent « Ah, je gagne 1000 euros par mois ». Mais en fait non, puisque des fois, le mois d'après, tu vas peut-être avoir que 500 euros ou que 2000 euros ou autre. Et en fait, bah, du coup, c'est pas vraiment ça ton salaire, donc il faut faire attention au calcul à ce niveau-là. Au niveau du montage, alors là, pour moi, ça, c'est un petit peu un inconvénient, c'est que par contre, un montage de mariage, même si c'est très facile à monter, puisque ça reste du bout à bout avec une musique, donc c'est vraiment un niveau de montage très basique. Le problème, c'est que c'est assez long, puisque moi, au minimum, je mets 5 heures pour monter une vidéo de mariage, puisque, comme je te disais, ça va être des rendus entre 1 heure et 1 heure et demie, donc du coup, bah, c'est quand même long à monter. Et après, au niveau du montage, on va dire, entre guillemets, c'est un petit peu chiant, puisqu'il ne se passe pas grand-chose, donc il n'y a pas grand-chose de créatif. Il y a juste des musiques à mettre et laisser le son normal de la vidéo, mais voilà, ça va être vraiment du bout à bout avec quelques transitions. Mais du coup, le montage va être assez long. Donc du coup, pour résumer par rapport aux vidéos de mariage, bah, tu vas avoir un inconvénient qui est que les journées de tournage sont longues, donc de 10h jusqu'à à peu près 1h du matin, et ensuite un montage qui va être long, donc de 5h. Donc du coup, bah, voilà, ça fait quand même pas mal de travail. Et ensuite, un salaire qui va arriver en décalé. Donc il va falloir que tu aies une grosse quantité pour pouvoir faire un salaire régulier. Donc comme je te disais encore une fois, si tu vends un mariage à 1000 ou à 1500 euros, bah, ta première avance, ça va être peut-être de 500 ou 750 euros. Mais du coup, l'autre partie que les mariés vont te payer, ça sera que l'année d'après ou bien quelques mois après, puisque des fois, ça peut arriver qu'un mariage soit validé 3 ou 4 mois avant. Mais ils ne pourront jamais vraiment te payer la totalité directement. Ça m'est arrivé sur quelques mariages, mais c'est quand même très rare, ce qui est normal puisque les mariés, ils te payent, ils te connaissent pas vraiment encore, ils viennent à peine de te valider en tant que vidéaste, ils ne peuvent pas te donner tout d'un coup, ils vont te donner vraiment 50%. Donc tu seras quand même contraint d'avoir ce genre de choses très souvent. Si tu arrives à jauger entre le clip et le mariage, bah, du coup ça passe assez bien. Alors ensuite pour finir, donc, je vais te parler de l'instit et de la pub. Alors ça c'est la partie que j'aime le moins, c'est la discipline que j'aime le moins dans la vidéo. Je ne l'ai jamais vraiment aimé en fait, en vrai. Ça m'est arrivé de faire pas mal de vidéos pour des entreprises, de la publicité aussi en Afrique, j'en ai fait quand même pas mal, et j'ai jamais vraiment aimé ça. Et pour moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de désavantages. C'est un petit peu le mythe des vidéastes de dire « je veux faire de la publicité parce que ça paye », mais c'est vraiment une légende pour moi. Je sais qu'il y en a certains qui en vivent très bien de la publicité, mais pour ça, si tu veux faire de la publicité, il faut que tu sois à fond que dans la publicité, et que tu kiffes vraiment la publicité, que tu aimes par exemple la mode ou autre, et que tu spécialises vraiment là-dedans. Donc ça, c'est encore autre chose, mais moi, ça m'a jamais vraiment parlé. Je sais qu'il y a pas mal de vidéastes qui ont fait des vidéos donc institutionnelles pour des entreprises ou autres, et tu vas voir que pour moi, il y a quand même pas mal d'inconvénients, et tu vas voir que pour moi, concrètement, je préfère faire des clips, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, pour le temps de journée de tournage, alors là, on va être un petit peu comme le clip, donc ça veut dire que ça va être soit une journée entière, soit une après-midi. Alors c'est vrai que ça ressemble énormément au clip par rapport à ça. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que si tu fais une vidéo pour une entreprise, eh ben forcément, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Donc ça, c'est sûr et certain. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le client que tu vas faire, lui, forcément, si tu lui fais une vidéo d'entreprise, il a des clients. Et donc, il a un objectif concret à avoir par rapport à ses clients. Et en fait, ça veut dire que ce qu'il a en tête, il faut absolument que ça soit ça que tu filmes. Tu ne peux pas t'amuser à faire trop du freestyle, puisque sinon, ça va partir en dehors de ses objectifs à lui. Donc, par exemple, je te dis un exemple, mais si un restaurant, il t'appelle pour faire une vidéo, bah, il connaît sa clientèle, il sait que voilà, il y a tel ou tel type de client, enfin, il a son truc en tête. Donc, en général, il sait quand même comment il faut à peu près filmer
son restaurant ou bien autre chose. Alors tu peux pas t'amuser à faire tout et n'importe quoi puisque sinon ça va sortir des objectifs, puisque eux concrètement s'ils te prennent en tant que vidéaste, c'est forcément pour avoir une vidéo promotion pour pouvoir faire plus de chiffres dans leur boîte. Donc forcément si toi tu pars dans des idées qui ont rien à voir avec leur objectif, ça passera pas. Donc en gros tu peux faire quelques vidéos où tu vas être un petit peu créatif mais tout en restant dans les objectifs de leur boîte. Donc c'est ce qui arrive avec les grosses agences de publicité par exemple. Donc là ils arrivent à être créatifs. Donc ça va être une partie, voilà, pour moi, où je trouve que tu es un petit peu trop bridé. Et c'est toujours ce qui m'a un petit peu dérangé moi avec ce genre de vidéo là. Pour la rapidité, donc comme je te disais, ça va être un petit peu comme le clip, puisque ça va être soit une journée, soit une petite après-midi. Des fois tu peux tourner des vidéos institutionnelles en 2-3 heures. Donc pour ça, ça va se ressembler au clip. C'est quand même un point positif. Donc ça c'est bien. Pour moi, comme je te disais encore une fois, tourner rapidement et le mieux possible. C'est dans mes objectifs et c'est ce que je trouve de plus intéressant. Si tu passes 4 jours à faire une vidéo dans le même endroit pour arriver au même résultat, je trouve que ça vaut rien, c'est pas terrible, surtout en rapport avec le tarif que tu vas avoir. Bah, des fois, ça vaut pas du tout le coup. Par exemple, si t'es payé 1 500 € à faire une vidéo mais qu'il reste 4 jours, bah pour moi, c'est pas un truc de ouf. Donc en vrai, si tu as une vidéo à 1 500 €, il faudrait que tu la fasses en une après-midi ou en une journée et que tu la montres rapidement et là, tu pourras commencer à être rentable. Donc du coup, au niveau du salaire, ça va être un petit peu comme le clip ou comme le mariage. Tu vas pouvoir avoir tous les budgets, donc peut-être de 500 jusqu'à 4 000, 5 000 €, peu importe. En tout cas, voilà, ça va être un petit peu plus comme le clip et comme le mariage. Par contre, il y a une chose, c'est que en général, quand même, les clients vont être un petit peu chiants en modif, ce qui est normal, puisque eux, ils ont leur truc en tête, puisque, comme je te disais encore une fois, ce qui va se passer, c'est que eux, ils ont leur truc en tête, puisqu'ils ont leur objectif. Après, au niveau des modifs, les clients vont être chiants en général, puisqu'ils ont leur truc en tête. D'ailleurs, dans les clips, c'est un petit peu pareil aussi. Les artistes, souvent, ils ont un petit peu leurs idées en tête. Donc, tu peux tomber sur des artistes qui vont être assez cool et ils vont te faire confiance, et d'autres qui ont vraiment leur truc en tête. Donc, pour ça, ça se ressemble avec les vidéos institutionnelles. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est un petit peu un problème à ce niveau-là. D'avoir beaucoup trop de modifs, des fois ça peut traîner, ça peut prendre du temps. C'est un point que j'aime pas trop dans cette discipline-là, la vidéo, c'est pour ça que j'en fais pas tant que ça, j'en ai fait pendant des années, mais maintenant j'en fais vraiment moins. Je préfère être vraiment concentré sur le clip et sur les vidéos de mariage, donc je trouve ça beaucoup plus fluide. Donc, au niveau du temps du montage que tu vas avoir sur les vidéos institutionnelles, là ça peut se ressembler aussi un petit peu au clip. Tu peux monter ça en 1 heure, ça va dépendre le style de vidéo que tu vas faire, si ça dure 1 minute, 2 minutes ou autre, pour les réseaux sociaux ou autre. Et après, si c'est des vidéos un petit peu plus institutionnelles, plus longues, où tu vas avoir des gens de l'entreprise qui vont parler ou autre, tu peux monter en 4, 5 heures, 6 heures, même un peu moins. Pour moi, en fait, c'est un petit peu le mix entre le clip et le mariage au niveau du montage, du temps du montage. Je voulais t'expliquer ces trois disciplines-là que j'ai fait pendant des années, que je connais quand même bien. La première qui est gagnante pour moi, c'est le clip, puisque en fait, ça va résumer toutes ces trois disciplines-là, mais en plus rapide. Ensuite, je vais avoir le mariage et ensuite la vidéo institutionnelle. Mets-moi directement en commentaire celle que tu fais aujourd'hui le plus souvent et celle que tu préfères. Comme ça, je te répondrai directement en commentaire. Tu peux regarder toutes les vidéos qui sont juste en dessous et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.